C'est costaud, hein. Voilà le dernier tour. Elles sont des bases de 14-24. Elle continue comme ça. Elle a course gagnée maintenant. Par contre, Dibaba, elle n'est pas à l'abri d'un retour si elle craque complètement Genzebe Dibaba derrière. C'est nettement moins joli, hein, du côté de Dibaba par rapport elle à ce qu'on connaît. Elle a 3 mètres d'avance et c'est pas sûr qu'elle conserve sa médaille d'argent parce que derrière, ça chasse. Hein. Ouais, Teferi. Sa compatriote qui rêve sûrement d'accrocher le scalp de Dibaba à son palmarès. Alors, j'ai l'impression qu'elle relance la Dibaba au 300. Elle sait qu'il y a danger. Ouh, mais ça revient, ça revient. Ça revient, c'est Kibiwot qui attaque. Kibiwot qui a fait moins de 4 minutes aux 1500 mètres. Elle a fait 3,59 et Teferi qui la compte. Qui compte. Dibaba va perdre sa médaille. Je pense que Dibaba va perdre sa médaille. Ouais. Il y a une différence d'allure énorme. Hey, Dibaba va pas avoir de médaille peut-être. Oh là là. C'est pas possible. Là, ce final va être époustouflant. Vous ne le voyez pas pour l'instant. Vous voyez la victoire d'Alma Zayana, mais derrière... Avec le record des championnats. Hein. Ouais, mais derrière, c'est un drame qui est en train de se jouer. Il faudrait que le réalisateur aille derrière. Oh là 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 là. Genzebe Dibaba.